C'est bien, c'est... vous inquiétez pas, on a un camion qui nous arrive dessus, on est vraiment sur les lieux du tournage de ce film. Il y a même des coups de mitraillette de temps en temps. C'est l'apocalypse, quoi. Voilà, merci, c'est gentil. Ne changez rien, restez où vous êtes. Voilà, on s'installe et on continue dans le même esprit. C'est dingue, 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 dingue. Mylène, je la connais depuis 82. Et j'apprends par la maison de 10, elle me dit, tiens, tu vas faire Mylène, qui va sortir un nouvel album, tu vas faire Fréquence Arbre, et elle voudrait que tu viennes à Budapest. Waouh. Je dis, mais attends, vous êtes malade ou quoi? Comment je vais... Quel argent, je vais à Budapest, moi? Avec quoi? J'ai pas le blé. Je préviens la direction, je dis, tiens, je peux faire Mylène Farmer, faut que j'aille à Budapest, qui est un cadeau énorme. Je peux passer 3 jours avec elle, je peux filmer ce que je veux, mais j'ai besoin de billets d'avion. Et là, on me dit, bon, écoute, c'est bien, on peut faire cette star-là, c'est génial, mais tu l'as fait en plateau, comme d'habitude, hein? Parce qu'on ne donnera pas de blé en plus. Bon, c'est comme ça. Hein? Donc, on refuse. Je dis à mes amis, écoute, c'est un cadeau énorme, c'est un super cadeau. On a tellement envie, Laurence Gerbi, moi, on a tellement envie, quoi. Mais on n'a pas l'argent. Et la chaîne ne veut pas me filer de blé, je peux pas. Voilà, je peux pas. C'est génial, mais je peux pas. Et là, la maison 10 fait, bah, écoute, c'est simple, c'est nous qui allons payer. Alors, je crois que c'est le seul portrait de Mylène en 90 minutes à l'extérieur. Voilà. C'est le seul. Non, je ne peux pas me projeter dans l'avenir. Quand je pense à l'avenir, je vois l'échec. Donc c'est quelque chose qui est... Je préfère ne pas y penser, mais j'y pense mal. L'idée de Fréquence Arbre est venue dans l'avion en venant. C'est là que j'ai trouvé que passer beaucoup de temps avec un artiste, en extérieur, dans un lieu qu'il avait choisi, désinhibait l'artiste et il me donnait beaucoup plus. Les tournages pouvaient durer 12 heures. On restait 2-3 jours avec l'artiste. Ouais, attends. Des fois, on ramène 10-12 heures de rush. J'ai dû faire plus, même. J'ai effacé des cassettes aussi. Il y a des artistes à qui j'ai montré des cassettes. Je leur ai dit, regarde ce que tu as dit. Il fait, ah non, Laurent, c'est pas possible. Tu peux pas montrer ça. Putain, ma mère, elle me tue. Mon public m'ignore. Mes enfants vont mourir. On allait tellement loin. J'allais tellement loin. Et les artistes se rendaient pas compte. Pourquoi? Parce que vous avez raison, autour des 10-12 heures. Ils parlaient avec moi, point. Comme deux potes qui se racontent la vie. Ou même une amie, une copine qui peut me livrer des trucs incroyables. Tellement incroyable que c'était pas visible pour tous, c'est tout. On pouvait pas partager cette intimité de sa vie avec le plus grand nombre, tu vois. Voilà, c'est ça, Fréquence Arbre. C'est pour ça que ça dure aussi.